What? Ça me tue les trucs comme ça. Bref, t'as dit quoi le breski? T'as dit quoi les mecs? T'as reculé le corps? Putain. Mon trésor. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un topo rapide. Lundi dernier, on était combien? Lundi 26 février. Et hier. On était le 29 février. Non, on est le 1er mars, là, le jour où je filme là tout de suite, on est le 29. Bref, vous avez compris, le 1er mars. J'ai fait j'ai fait deux fois 24 heures, je pense, sans dormir. Pour reprendre un rythme de vie considérable. Sauf que le problème, c'est que lundi, j'ai pas dormi jusqu'à 18h. À 18h, j'ai dormi, je me suis levé à 21h. Va savoir pourquoi. Après, j'ai refait ça aujourd'hui, enfin hier. Et du coup, ça allait un peu mieux. J'ai refait encore genre une nuit. Ça, j'ai dormi, je crois, à 19h, je crois, quelque chose comme ça. Après, voilà quoi. Ça veut dire que je me suis couché encore vers 18h, 19h. Je me suis levé vers 22h. Et je me suis couché à 3h du mat. Et je me suis levé aujourd'hui à 9h30, on va dire à 10h. C'est dur, ok. Programme d'aujourd'hui. Ah, rien. En gros, ce que je me suis dit, c'est que là, il faudrait vraiment que je me mette à faire mon code, mon permis. Ouais, parce que là, ça commence à me faire chier. En fait, j'ai envie de l'avoir, mais en même temps, je suis pas raté en mode de... Pas se presser, cousin. C'est-à-dire, je sais pas. Deuxième point, faudrait aussi que je regarde pour un local, pour stream, pour la photo, pour la marque et tout. Parce qu'en gros, moi, je kifferais avoir un local pour stream. Généralement pour stream, mais pour aussi englober tout ce qui est photo, marque de vêtements et tout. Comme ça, moi, tu sais, si demain je peux stream en montrant comment je fais mes designs, en donnant des conseils, etc. Pourquoi pas, ça peut être lourd. Donc, ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver un local pas trop cher, qui sont dans les moyens dans mes moyens, et peut-être dans ceux de Mehdi et Brice aussi. Comme ça, s'ils veulent participer avec moi, bah écoute, tant mieux pour nous. Et aussi, il faudrait que je m'achète un PC, mais bon, ça, c'est. Ça, c'est un objectif de vie sur l'année, et encore, je sais même pas si c'est bon. Je vais me faire à manger. Là, vous me dites, qu'est-ce qu'il va faire à manger? Les amis! La meilleure bouffe! Oh shit! Les Yam Yam Gang! Ça là? Les gars, quand vous avez la flemme de faire à manger, quand vous savez pas faire à manger, yeah! Comment ça va prendre à faire manger si c'est important? Ça là, avec un œuf au plat, un petit poulet qui traîne, un poisson, du cochon, mais vas-y, on n'est pas dans ça, nous. Ça là, c'est la solution, les mecs. Dingue. En tout cas, moi je vous laisse sur ça. Faites belle à vous. En tout cas, là, vous savez comment ça se passe. Je vous laisse avec la suite. De toute façon, là, il y aura un truc, un événement avec Brice Nanou. De toute façon, je crois que je vous ai expliqué. Et je pense qu'on va se péter d'ici là. Bah, juste après, ça sera l'événement. Si je filme ou pas. Bref. Tchuss! Est-ce que je voulais amorcer? Est-ce que tu penses que là, on peut se permettre, nous, sur presque. Ouais, ça fait 2 ans, là. En vrai. Ça fait 2 ans qu'on en a marre, presque. On a commencé, genre. On a commencé à faire des marches en mars-avril, tu vois. Là, le 7 mars, ça fera 2 ans? Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'en 2 ans, on peut se permettre de s'avancer à donner des conseils aux gens qui veulent créer une marque? Non, parce que pour l'instant... Parce qu'en vrai, en vrai, moi, je pense qu'on peut... Je veux pas dire qu'on est totalement légitime, mais je pense qu'on peut commencer déjà à donner des bases dans le sens où ce que nous, on n'a pas pu faire au début et qu'on a voulu rattraper après, bah, les gens ils peuvent éviter l'erreur que nous, on a fait au début, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. En mode vraiment genre bien choisir le logo, bien choisir la typologie de... Là, les petits trucs comme ça. Les petits trucs comme ça, à la rigueur, ouais. Mais c'est en vrai, c'est la base. Ouais. C'est la base, juste le fondement de... Tu vois. Donc... Ouais, mais t'as vu, moi tu sais, je l'aurais vu comment. Il y a pas longtemps, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit... Vraiment les gars, venons, on joue à l'association. L'association où on apprend un petit peu tout ce qui est dans le design. On invite même des gens qui sont en études de design. Et genre, moi, ils donnent des cours aux jeunes, tu vois. Ouais, ça peut être lourd, ça. C'est un délire comme ça. Ce serait trop bien. Et même faire des ateliers, flocage et tout, mais quand on aura la machine et tout,
Intro holding. Voilà. Première étape. Pourquoi et comment créer une marque? Première caractéristique, c'est la mentalité. Donc, adopter la mentalité, Brice. Non, mais c'est... mais après, il sait. Genre, toi, je lui ai dit. C'est-à-dire qu'en soi, il a quand même 50% de départ. Il est pas dans. Ouais, il est pas perdant, genre. Il est pas perdant. Et comme c'est moi qui gérerai tout le reste, au fur et à mesure que ça va grandir, bah, c'est tranquille. Parce qu'au bout d'un moment, lui, avec son truc d'analyste vidéo, bah, il va partir dans des clubs de foot tout sérieux, tu vois. Ça va être du professionnel, tout. Là, je suis dans un bon club et tout pour l'année prochaine, parce qu'il faut un stage. Et il pourra pas jouer de là-bas, genre. C'est à distance, en gros. Il y a un truc que j'ai appris personnellement. Quand tu crées une marque, il faut être sûr. Après, je sais pas si Brice il peut compléter. C'est compliqué d'être sûr de soi-même. Surtout quand tu travailles avec des gens et tout. Qu'il n'y aura pas forcément la même vision des choses, il n'y aura pas forcément des accords communs, etc. Il y aura souvent des désaccords, mais il faudra toujours faire la part des choses. Tu sais que ça a été dur, ça, pour nous, de faire la part des choses entre notre relation amicale et les relations professionnelles. Surtout qu'on a eu du mal avec ça, mais ça va, en vrai, ça va. Vendredi 8 mars avec Brice Nanou. Brice Nanou, pour information, c'est un joueur. C'est le grand œuf. Ouais, voilà. C'est un joueur de foot qui est pro, mais pas pro. Non, l'explication est vocale. T'as capté? Brice Nanou, c'est. Bah, pour faire beaucoup plus simple, hein. C'est un influenceur dans le monde du foot. Ouais. Et. Quand tu poumes et Sama. Voilà, aussi. Mais j'ai rien compris. Du coup, ce que je disais. Franchement, je vous dis la vérité, c'est hyper fatigant et stressant aussi d'avoir une marque. Mais vraiment, si vous kiffez, vous allez kiffer galérer, genre vous allez kiffer stresser, vous allez kiffer vous tordre la tête sur des idées, sur les finances, sur plein de trucs en fait. Et ça qui est lourd en fait. Je me dis putain, vraiment, genre là vous savez que genre si vous faites ça, c'est pas pour rien, tu vois. Et même si vous avez des doutes, hein, tu peux avoir des doutes, on aura toujours des doutes sur plein de choses. Bien sûr. T'as capté ? Il y a là des fois, je me dis putain. Ouais, peut-être on va pas aller loin. On va pas y aller. Peut-être on va arrêter bientôt. Ouais. Mais le problème, c'est que même si demain ça s'arrête, il y aura toujours quelque chose à côté. Donc ça qui est lourd, tu vois. Moi, tu sais quoi ma grosse peur en vrai? C'est une vraie peur. C'est si j'arrête et genre c'est... les gens ils disent mais c'était sûr et tout. Et tu sais que c'est ce qui me motive le plus, de me dire non. Ouais, en mode genre on n'arrête pas, genre. Ouais, en mode genre, c'est impossible qu'on. Ouais, faut pas que j'arrête. Sinon les gens ils vont trop. Genre tu leur donnes du crédit. Mm. Alors que pourtant tu peux très bien arrêter. Ouais, en vrai. Genre des fois il y a des gens ils arrêtent mais ils reboulent sur autre chose, tu vois. C'est vraiment, je me dis gros, en vrai tu sais, il y a tellement. Franchement, je vous dis la vérité, il y a tellement de raisons de pourquoi, du comment on pourrait arrêter et pourquoi on voudrait arrêter, parce que c'est peut-être personnel, peut-être. Peut-être aussi professionnel, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que voilà, on a tous un peu des trucs à côté, etc. Que ça soit par exemple Brice, ses projets de foot, ma vie. Ses projets de foot, son mariage, le mec l'a rien compris. Ouais, ouais. Son projet de foot, ses trucs analyste football, enfin bref, tous ces trucs là, et je vais pas trop vous dire non plus parce que c'est ce truc à lui. Ma chaîne Twitch. Et sa chaîne Twitch, ouais, allez le suivre, Banner le Gamer. Tiré du bas 94. Ainsi que mon compte YouTube. Banner le vlogueur, tiré du bas 94. Et mon compte TikTok. Banner le TikToker, tiré du bas 94. C'est bon. Instagram. Banner l'Instagrammeur, tiré du bas 94. LinkedIn. Banner le taffeur, tiré du bas 94. Je vais tester ton inspiration jusqu'au bout. Vas-y. Ok. Mon compte Yubo. Yubo ? Ouais. Banner le charbonneur, tiré du 94. Oh, t'as vu, quand je suis fatigué, je suis trop inspiré. Ouais, ouais. Non, mais je vais te laisser tranquille. Donc, ouais. Pour conclure ça, si vous voulez lancer votre marque, soyez sûr de ce que vous faites. Si vous n'êtes pas sûr, prenez votre temps. Écoutez, vous n'êtes pas pressé. À part si, s'il y a des choses qui font que vous êtes pressé. Mais faites ça bien. Soyez organisé, soyez professionnel jusqu'au bout. Et en vrai, il y a beaucoup de sacrifices à faire.
Mais bon, si vous le faites avec la passion et l'envie de réussir, vous serez gagnant dans tous les cas. En vrai, vous serez gagnant, je vous le dis. Mais bon, dans tous les cas, moi je vous laisse pour ça. Nous on va bosser. Je vous rattrape juste après. Faites bel écart à vous. Ok? Je vous fais des bisous. Carrément sur le front, ma gueule. Ok, faites Belek, on s'attrape. Zoubi carrément. Zoubi. Là, je suis sur 24 heures. Non-stop, on ne dort pas. Pourquoi on ne dort pas? Parce qu'on taffe. On taffe. Bye. What's up, le braz? Vous allez bien? Putain, je suis en train de respirer comme un porc. Là, je vais aller faire un shooting photo. Un bon lundi soir. Pour un pote à moi. Du coup, je vous emmène avec moi pour que vous voyez un peu ça donne quoi tout le taf. Voilà, moi je devrais être accompagné de Meji, mais il est pas là. Bon. On va s'amerder comme on peut. Hein. Donc je vais essayer de filmer en même temps. Ça va être un peu compliqué de faire les deux trucs en même temps, mais on y est. Je vous emmène avec moi, vous venez? Allez, venez. Mon gars. Aujourd'hui on est avec un modèle d'exception. Il nous a sorti la dernière détenue. Sur mesure. Contour bien fait. Je précise hein, pour ceux les gens qui veulent prendre des rendez-vous au cas où. Faites vos contours. À la retouche, je peux pas. Hein, ça se corrige pas ça. Si vous avez un trou dans le crâne ou hein. Ah, en tout cas là. Je te jure qu'heureusement il fait bon. Hein. Voilà. Genre comment ça se passe là-bas, genre en mode on fait quoi, est-ce qu'on a des trucs à faire, est-ce que on... Mais toi tu m'as posé, t'es mannequin. Oui, non mais à part ça, genre je parle plus pour la marque que pour moi. En gros, la dernière fois il a expliqué qu'il y avait une petite réunion au début avec toutes les marques, les mannequins, les photographes pour expliquer un peu comment ça se passe et délimiter, encadrer le truc. Et après de là, ils vont se séparer en petits groupes, t'as capté. Genre des groupes où il y a des mannequins, photographes et des marques. Et certains endroits ils font les photos. Il y a des endroits où par exemple là il y a les fonds blancs, enfin les fonds. En gros ça, il y aura toutes les je sais pas combien de temps pour changer de couleur, donc du coup il faudra attendre là-bas. Et après voilà, tout le reste de la soirée on est assez libre de mouvement. Et il y a Greg. Mais pas énormément parce que de l'argent. On compte rester à Boss Café là. C'est 20h-22h, non, parce que je jusqu'au bout quand même. Et là, du coup, là, on va en avance pour pouvoir mieux se préparer. J'espère que son truc de repassage, il fonctionne bien. Ok. Ah, c'est bon, on peut en aller. Salut l'équipe, ça dit quoi? Là on est chez Jean. Oh, c'est trop spacieux, ouais. Ouais. Elle est forte ta sacoche. Tiens ta sacoche. Je suis dans un ascenseur de luxe. Tiens ta sacoche. Ça le fait pas avec mon. Autant de fois dans un sens, j'ensemble 5 en 500. Devant le ciel étincelant, la lune éclaire les pleins de sang. Tous les jours à plein temps, tant que la chose est clinquante. Et je regarde chaque printemps disparaître comme mes 20 ans. Y'a pas de gentil, maman dit faut faire attention. J'agrandis, pars en vie comme un sale bandit dans mon ascension. J'pars sans diplôme, pas de Nancy. Je reprends après quand je vais shooter et quand tout le monde prend le même truc et tout, on va faire des trucs bien. Ice, négro 8, 9, 10, pétasse comme dans City Vice, négro chaîne, veulent mes chaînes, plus de chaînes pour la life, négro, dans la suite.
J'aime ses lèvres à l'amande. Deux femelles dans la chambre, cette folle m'embrasse avec la langue. Dans ses yeux j'ai vu le danger, son regard sucré comme une mangue. Ma vie je me sens comme dans un manga, fumée qui s'échappe d'un bang. Bientôt là c'est du vivi, masse de gens qui nous divisent. Ma prise de l'état pour les civils, ma prise comme le temps qui va si vite. Ici deux femelles roulent un missile, prends tes seins dans la piscine. Dissipée, tu parles, je réponds ici, joue CP, recharge comme en Sicile. Là ça va, parfume la drogue, tour c'est le vacarme. Là ça va, parfume la drogue, tour c'est le vacarme. Shit shit, que des in, laisse de billets dans des skinny jeans. Shit j'ai brûlé, je le fais pour les milliers, et quand j'aurai le millier. Je vais me dire ouais, je sais pas quoi, Rayo, Brigade, etc. Non, ah bah là, non mais même si c'était épuisant, c'était fatigant, c'était bien aussi. Ouais, c'était donc, très bien, on a fait beaucoup de contacts. Et tu... Ah ouais, donc du coup, tu voudrais faire quoi pour la grille tarifaire? Est-ce que tu voudrais qu'on se voit avant ou pas? Tout le monde, ok, tu fais mes idées. Ok. What's up les bros, j'espère que vous allez bien. Je voulais dire, je vous filme assez rapidement. Je pense qu'on va, mettre fin à ce vlog là. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, partager tout ça comme d'habitude. J'ai pas eu le temps de clôturer, on va dire, l'événement. Mais c'était lourd de ouf. En tout cas, on s'attrape. Moi je vous mets une petite séquence photo de ce qu'on a eu, parce qu'on n'a pas encore tout vu. Et je vous brieferai, de toute façon vous revenez sur l'Insta. Comme d'hab, il y aura tout. Peace out. Shopping cart, for a lot of shit, money bag, ain't no money cart.